Pas hésiter à faire ça couler à même. Like vidéo, abonne à la chaîne là. Et en plus de ça, active la cloche notification. Il y a une façon pour ne pas rater. Puis il y a une nouvelle vidéo qui n'a pas eu. Eh bien, let's go! Si vous planifiez un voyage pour aller dans un pays que vous n'avez jamais allé avant, il est vraiment important pour apprendre la loi locale pays ça avant d'aller. Gen lwa ki menm nan preske tout peyi nan bon la. Tan kou, ou pa ka pran sak pa pou ou, ou pa ka tonpe lot moun nan bay manti par exemple, ou pa ka goume, ou pa ka fè yon animal piès mal. Men, gen yon seri de lwa ki etabli nan kek peyi ki paret vraiment étrange, ke ou ta ka menm di ki impossible. An pil fwa, interdiction sa yo gen prop istwa yo, pou justifiye rezon ki fè yo aplike jan de lwa sa yo. Se sa k fè yo pa fè piès moun ka viv nan zon kote lwa sa yo existe a sezi. Donk, qui ça ou pas qu'à faire dans quelque partie de la planète là? Eh bien, nous parlons ensemble. Première loi d'après, dans le bagage qui ou pas qu'à faire dans quelque partie de la monde là, c'est mourir. Dans la ville ça qui est Longyearbyen, qui trouve dans le pays Norvège, qui est un pays qui trouve dans le continent européen, Longyearbyen trouve dans l'archipel polaire Svalbard, qui est un ensemble de l'île dans l'océan Arctique là. Svalbard, c'est un côté qui a un statut spécial. Donc, il y a un pile bagage dans la zone ça qui est vraiment particulier. Mais, ça qui passe dans la ville, ça qui est Longyearbyen bien plus intéressant en pile. C'est une ville qui a plus que 1000 personnes qui vivent là-dedans. C'est un petit côté qui fait fret en pile tout. Pendant là, vous êtes capable de jouer polaire avec nuit polaire tout. L'ivrement rare pour ta jeune monde qui a plus que 66 ans dans la zone ça. En plus de ça, li interdit pour mourir là. Si vous êtes un monde qui est dans l'âge avancé ou bien souvent malade, eh bien, dans la zone ça, il y a un danger que vous n'êtes pas capable d'affronter si vous malade. Donc, si vous êtes malade, vous voyez dans la capitale pays qui c'est Oslo, et donc là, vous êtes capable de vivre le dernier jour avant de mourir. Cependant, si vous avez un monde qui mourit soudainement dans Longyearbyen, il y a parti de quoi rapide vite pour sortir dans la ville. Il y a un petit cimetière dans la ville qui paraît recevoir un monde encore depuis le commencement 1950. Là, on a découvert que quand on a enterré là-dedans, pas décomposé vraiment, qui c'était un problème plus grave toujours. En 1918, il y a une épidémie qui était relée grippe espagnole, qui a ravagé la ville ça. Côté que tu as un pile moun mouri. Donc, yo t'ai enterré moun ça. Après plus que 30 ans, moun yo t'ai enterré yo t'ai toujours été même genre. Yo pas décomposé. À cause d'un père gelé sol qui voulait dire que terre a toujours été glacée ou bien gelé si vous permettez. Bagay ça t'a pas occasionné un virus qui était danger en pile dans le 20e siècle. Qui t'a tué environ 5% moun dans le monde là. Eh bien, depuis là, ça a été formellement interdit pour un monde ta mourir ou bien enterrer un monde dans la ville ça qui est Longyearbyen. Cependant, ce n'est pas seule loi locale ça qui est interdit. Il interdit tout pour chaque pas mourir dans la ville ça tout. Il y a une interdiction sur la quantité d'alcool ou à consommer. En plus de ça, il est obligatoire pour tout le monde qui est sorti dans la rue marcher à examen. Sorcellerie ou bien faire magie. Dans ce qui a rapport avec la loi sur le crime qui a fait, eh bien, bagay ça a évolué en pile. Mais, Canada continue interdit sorcellerie, ça nous est magie. Ça on doit connaître, c'est pas exactement faire sorcellerie qui est interdit, mais c'est fait en quoi faire sorcellerie. Dans le code pénal canadien, précisément dans l'article 365, il interdit bagay ça. Il dit que vous êtes coupable d'un crime si vous faites jeune bagay ça. Par exemple, si vous prétendez vous planter un sort, si vous prétendez que vous jouez un bagay qui est perdu ou bien au monde, à l'aide d'une force occulte. Mais si vous faites à son bagay qui est réel et vous n'avez pas besoin de prétendre, pas de punition pour ça. Mais si c'est faux bagay qu'on fait, ou quand attend nous à qui on t'y tend en prison pour ça. Aller dans une salle de bain après 10h du soir. Oui, après 10h du soir, au pape cabin. Ça, c'est une interdiction qui est appliquée dans l'ancien gros appartement dans le pays de la Suisse. En plus de ça, c'est une loi qui est observée de près et est capable de signaler la police pour si un monde a violé la loi ça. Mais pour qui ça a été dit, monde utiliser salle de bain après 10h du soir? Eh bien, tout bagage ça aussi à cause de bruit. Les hop flash toilette par exemple, il y a un bruit qui qu'on fait qui calé lever l'autre monde dans dormi. C'est même bagage là tout pour un monde qui a baigné. Bien sûr, ou capable prendre un douche rapide vite, mais ou pas qu'à faire bruit en dans douche là. Les hop bain par exemple, toujours gain pile bruit dans douche là. Donc c'est ça qui fait, il limite temps pour faire silence de 10h à soir jusqu'à 7h du matin pour pas déranger monde qui a dormi. Dans le pays de la Suisse, il y a plus de calculs, donc c'est ça qui fait, il y a plusieurs associations propriétaires qui mettent leurs propres règles pour les gens qui louent les calculs. Donc c'est ça qui fait toujours une série d'interdictions dans la salle de bain. Eh bien, pour t'aider à améliorer les règles, donc fabriquer soupape de décharge suisse, donc ça veut dire que les bagailles qui entrent dans la toilette,
Yo t'a développé un modèle soupape exceptionnel qui ka permettre que yon moun utilise toilette n'importe les livres. Parce que normalement, n'importe les livres, si ou ta gen toilette, faut toilette. Donc, c'est ça que fait yon améliorer bagay sa pour moun yon ka utilise toilette n'importe les livres. Chiclette. Ou ka peut-être gen t'entendre parler d'interdiction sa qui yon applique dans le pays Singapour. Mais non seulement ou pa ka ap mache chiclette la dans le pays, li interdit tout pour ta acheter ni pour ta porter tout entrer en dans pays. Cependant, seulement médicaments spéciaux, yon tankou chiclette nicotine pour moun ki fume ki pa interdit. Ou capable acheter chiclette sa ou seulement en pharmacie. Autrement dit, si yon ta jwenn nou avec yon chiclette dans l'aria, donc ça capable coûte ou gros amende. Raison qui la cause que yon interdit manger chiclette dans pays ça, premièrement c'est parce que gen moun ki gon gen tendance la gueule à terre là ou fin manger ou bien coller n'importe côté. Par exemple, nan mur, sous siège yon bus ou bien sous yon chaise. Donc c'est ça fait yon interdit. En plus de ça, il y a un métro tout dans le pays, à côté que, il y a un série de hooligans qui prennent plaisir, vous comprenez? Donc, il y a collé chiclette n'importe côté, qui compte bailler le métro, petit problème. Donc, c'est ça qui fait que, il y a interdit manger chiclette dans le pays, ni pour t'apporter dans le pays, ça. Donc, si vous parlez dans le pays, ça, qui est le Singapour, donc, fait en sorte que, vous pas gagné pièce chiclette dans le bouchou, ni pièce chiclette dans la valise. Faire photo. Il y a quelques belles bagages au cas et puis on dit quatre. Bon, faire photo bagages ça pour mettre sur internet. Mais ça doit connaître que pas une pièce côté dans mode là bagages ça légal. Dans le village ça qui trouve le pays la Suisse qui est le Bergen, ils ont mis en place une loi pour interdire monde faire photo dans l'année 2017. Yo. Chaque monde qui joint cap faire photo après se voit une amende de $5. Ça doit connaître interdiction ça pas appliqué pour citoyen pays ya, qui sorti dans le village là. Par exemple, il y a faire photo mariage, photo dans machine là en train à passer. Mais dans qui intérêt loi ça là? Raison simple c'est yon publicité. Donc village ça qui est les belles gonn tellement belle, les scientifiques ont fait photo pour aller montrer l'autre monde des belles vues ça yo. Donc gen moun ki konn pas content pour ça parce que yo konn pas ka vinn wè belle côté ça en plus ça qui genre d'émotion k'ap dégager en réalité dans zone ça. Donc c'est raison ça que autorité yo mette en place yo interdit moun faire photo zone ça. Ça vous doit connaître que Bergon c'est vraiment yon belle côté. Décoration ressemble en pile tout côté. Donc, le mieux pour visiter le village, ça, en personne qui garde photo moun qui est allé là déjà. Voyager dans le temps. Li interdit pour montrer film qui gagne là dans le voyage dans le temps. Yo te adopté loi ça dans le pays la Chine dans l'année 2011. Yo. Représentant bureau film, radio et télévision, t'a fait connaître que la majeure histoire qui dans le film yo pas existé vraiment et qui déformait vraie histoire. Yo. Autorité chinoise très strict sur film qui pas exact. Yo. Selon opinion yo, genre de projet ça yo pas droit gain encouragement parce que yo supporter ça nous relé irréalité qui presque pas dans système l'état. Donc c'est raison ça qui fait que yo interdit genre de film ça yo. Camper dans route machine sans gasoline. Route machine dans pays Almay gain une série de règles spéciales. Bagay ou pas ta penser. Tout route machine dans pays ça gain un côté spécial que ou ka camper. Gain tout yon voie d'urgence que ou capable camper dans cas que ou ta gain un problème. Jusqu'à présent, donc, tout bagage s'est ressemblé très logique. Mais, si on couille sans gaz et puis soudainement au campé, on est automatiquement condamné pour payer une amende. Parce que le trafic de route est vraiment rapide. Donc, là, on comprend comme ça, ça a causé un gros accident. Le fait que vous n'avez pas de gaz, pas une excuse logique. Après tout, c'est vous même qui chauffeur. Donc, vous êtes responsable pour que les bagages ne soient pas arrivés. Donc, dans le pays allemand, il est interdit pour ta camper dans une route machine pour tel problème gaz. Interrompre un mariage. Est-ce que vous songez technique ça qui souvent utilise les deux moun ap marié côté que pasteur a dit? Si un moun pour une raison quelconque, li ta opposé ak mariage ça, qu'elle dit ça kou li a ou bien li fait silence à jamais. Nous jouez bagay ça? Dans sud Australie, li interdit pour faire genre de bagay ça. Et c'est pas en blague ou pas ka camper yon mariage, ni yon funérail dans zone ça. Et c'est une interdiction qui prescrit par une loi. Selon loi ça, n'importe moun qui trouve le droit pour interrompre une cérémonie mariage ou bien un funérail, eh bien moun sa automatiquement commet yon crime. Peine maximale qui réserve à yon moun ki fait bagay comme ça, c'est $10,000. Et dans quelques cas, ça ka coûte 2 ans prison. Interdiction ça applique dans tout type de cérémonie, quel religieux ou bien l'autre yo. Ou t'aime mes vidéos ça, eh bien, like li. Si vous pouvez abonner à la chaîne là, faire ça couler à même yon façon pas rater aucune autre vidéo que m'a plagué pour. Si vous partagez vidéo ça tout, la fait nous un pile plaisir. Eh bien, merci, à la prochaine dans une nouvelle vidéo.